Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie Aérienne Non Conventionnelle Ufologie Dynamique. Alors, aujourd'hui, une UAP News très lourde, très longue, qui sera forcément chapitrée pour vous aider à mieux cibler les informations. Pourquoi? Parce que, forcément, il y a de grosses informations. En ce qui concerne la RO, vous devez sûrement le savoir concernant euh, une réunion euh, hors vidéo mais en audio donc du au DOD et de la haro donc nous allons voir ça ensemble avant nous allons passer sur plusieurs autres news qui sont liés plus ou moins forcément euh, aux événements euh, de la haro et euh, du département de la défense aux états-unis donc on va regarder ça tout de suite on va commencer tout de suite euh, on va attaquer tout de suite avec politico euh, on était déjà on était déjà venu déjà plusieurs fois sur politico euh, donc là c'est dans le dans le registre de la défense donc euh, le Pentagone annonce un formulaire du rapport ovni tant attendu. Alors c'est le fameux formulaire hein, qui normalement euh, doit euh, être réservé euh, aux professionnels, c'est-à-dire aux professionnels, c'est-à-dire aux, aux personnels qui euh, sont membres du gouvernement. Donc, que ce soit en fait civil et militaire. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, alors, le formulaire permettra aux membres des services, donc, et aux fonctionnaires, aux entreprises, de signaler les observations au bureau de résolution de l'anomalie du, euh, du Pentagone. Donc, euh, donc de la ARO. Donc, euh, après des mois de retard, ça c'est vrai, le Pentagone a dévoilé mardi un nouveau formulaire sécurisé que les membres du service et les employés du gouvernement peuvent utiliser pour signaler les observations de phénomènes. Non identifiés au bureau du gouvernement. Donc, le formulaire en ligne permettra aux membres actuels, aux anciens des services alors, c'est aussi aux anciens des services, c'est-à-dire à ceux qui, qui étaient rattachés euh, au service avant, c'est-à-dire ceux qui sont à la retraite ou qui ont quitté le service avant leur retraite, pourront aussi, bien sûr, euh, témoigner via le formulaire. Donc et aux sous-traitants, donc des le, sous-traitants qui ont travaillé uniquement avec le gouvernement, hein, euh, donc euh, ceux qui ont eu un lien direct en fait quelque part avec le gouvernement. Donc de partager des informations non sensibles et non classifiées sur les observations passées et actuelles avec le bureau de résolution l'anomalie euh, tout domaine donc à Aro donc bureau du Pentagone. Il complétera également les procédures de rapport qui ont été annoncées en mai au service et au commandement des combattants. « Sean kirkpatrick, chef de laro a soutenu que les informations fournies par le biais de for, euh, du formulaire sera protégées, de même que toute l'information donnée lors d'entretiens avec des responsables de l'ARO. Il a exhorté les témoins éventuels à utiliser le formulaire et partager ce qu'ils savent avec son bureau. Donc ça, on l'avait vu déjà sur le site. On avait vu qu'en fait ils il, il lançaient déjà un appel. Hein, il avait déjà sur le, sur le site. Déjà un, un appel euh, concernant euh, euh, les témoignages qui pourraient arriver en fait, hein, lancer un pied de nez si vous voulez, euh, donc aux fonctionnaires. Donc je voudrais également profiter de cette occasion pour encourager fortement tous les employés, donc actuels et anciens du de gouvernement des États-Unis, euh, militaires ou civils, donc ou entrepreneurs, euh, qui pensent avoir une connaissance de première main euh, euh, d'un programme US sur, euh, sur donc le programme ou l'activité de l'UAP pour se manifester. À l'aide de ce nouveau mécanisme de signalement sécurisé. Alors, euh, ceux qui ont connaissance, en fait, euh, ça, ça veut dire, en fait, dans la traduction, que ceux qui ont euh, des témoignages de première main, ouais, qui peuvent euh, bien sûr les euh, donner à la RO. Via donc ce formulaire. Donc, euh, pour se manifester à l'aide de ce nouveau mécanisme de signalement sécurisé, a déclaré M. Kirkpatrick. Nous voulons entendre parler de vous. Donc, le formulaire n'est pas disponible pour le grand public. C'est un formulaire en fait spécifique. Kirkpatrick a déclaré aux journalistes mardi euh, que l'un arriverait bientôt. Nous comprenons que les mondes du public sont également intéressés par les observations de l'UAP à la Haro, a noté euh, Kirkpatrick. Nous étudions les méthodes permettant de le faire. Au cours de la troisième phase, à venir du mécanisme de communication d'informations sécurisées, donc il y a trois phases. L'annonce fait suite aux critiques des législateurs, ça c'est vrai, des témoins et des passionnés de l'UAP, ça on l'avait vu déjà dans plusieurs vidéos. Si vous regardez les anciennes vidéos, euh, il y avait énormément de critiques en fait de la part de pilotes civils, militaires, ex-pilotes, euh, organismes indépendants, etc. Comme quoi ça n'avançait pas. Donc c'est vrai, concernant en fait le retard. Donc les retards dans la création d'une ligne euh, directe ou d'un formulaire qui, faci qui faciliterait le partage d'informations. L'ARO créée par l'administration Biden en juillet 2022 a été chargée d'examiner les rapports de l'UAP qui remontent à des décennies et de passer en revue le congrès en juin 2024, sur les programmes de l'UAP du gouvernement. Donc ça, c'est le fameux, le fameux amendement hein, qui est prévu l'année prochaine. Donc on verra ce que ça donne. On va revenir, bien sûr, sur cette information avec The Debrief. Alors c'est un peu près le même type d'information. On va faire un petit peu une revue de presse par rapport à cette annonce concernant ce formulaire et ensuite nous allons attaquer le gros c'est-à-dire la fameuse réunion et on va pouvoir en fait analyser ensemble cette fameuse réunion hein donc le bureau de résolution laro euh, donc euh, du pentagone l'autorité enquête officielle au sein du département de la défense chargée d'évaluer les phénomènes anormaux non identifiés donc vient de lancer son, son, son portail le Pentagone a annoncé le mardi 31 octobre que le mécanisme de rapport sécurisé serait, euh, de sé sécurisé serait désormais accessible via le site. Aujourd'hui, conformément à la loi sur l'autorisation de la défense nationale pour l'exercice fiscal 2023, le département a lancé la deuxième phase du mécanisme sécurisé du bureau, euh, donc de la RO pour l'autorisation euh, de la déclaration des phénomènes anormaux non identifiés peut-on lire une déclaration du Pentagone publiée mardi après-midi. Cependant, alors euh, cette information date du 31, elle n'est pas vieille, nous sommes le, le 2 novembre, elle date du, du 31. Cependant, contrairement à la, à la déclaration officielle du DOD, publiée mardi, le nouveau système sécurisé n'est pas conçu comme un mécanisme de rapport pour le personnel militaire qui a fait des observations réel de des, des phénomènes lui-même. Au lieu de cela, la nouvelle page de rapport sur le site de la souligne que les informations ne devraient pas être fournies, euh, ne devraient être fournies que par ceux qui ont une connaissance personnelle des programmes du gouvernement des États-Unis liés aux UAP. Alors c'est, on, on a un autre traitement là dans, dans l'article. C'est un petit peu plus en fait détaillé chez The Debrief, c'est-à-dire qui, qui qui nous dit qu'en fait, euh, bah oui non, mais seuls qui ont euh, qui ont une connaissance en fait des programmes du gouvernement Peuvent témoigner alors c'est un petit peu bizarre alors le bureau accepte les rapports des états unis ou d'anciens euh, ou d'anciens euh, employeurs des états unis enfin du, du gouvernement membres des services personnels et de le, des entrepreneurs ayant une connaissance directe des états unis donc sur les programmes gouvernementaux ou les activités liées à l'UAP depuis 1945 peut-on lire euh, dans une partie de la nouvelle page du rapport sécurisé ces rapports serviront à informer le rapport historique d'Aaro dirigé par le congrès alors que le nouveau nouveau Mécanisme de notification offre l'assurance d'une protection pour le personnel militaire qui utilise pour soumettre de telles informations ceux qui pensent avoir des informations sur les programmes de, de l'UAP euh, qui peuvent intéresser la RO. Ces enquêtes sont néanmoins mis en garde contre la présentation d'informations de, 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 classifiées. Alors, il y a quand même une mise en garde. Veuillez ne pas soumettre d'informations euh, potentiellement classifiées ou d'informations non classifiées qui ne soient pas rendues publiques, par exemple sous réserve de la réglementation du contrôle des exportations, indique l'une des, des mentions consultatives sur la nouvelle page sécurisée. Alors, il faut bien lire, hein, contrairement à Politico, là c'est quand même plus en détail, on en sait un petit peu plus quand même. Ce n'est <laughs> pas obligatoirement ce qu'ils annoncent. Donc, si, si vous ne savez pas si les informations que vous, avez, que vous avez sont classées, euh, ou pas, veuillez ne pas les euh, soumettre sur ce site. Donc, vous passez en fait par d'autres canaux. Le Pentagone affirme que les rapports de l'ARO collectent par le biais du nouveau mécanisme sécurisé qui peut être soumis volontairement par le personnel militaire, sera utilisé pour informer le rapport historique d'enregistrement historique dirigé par l'ARO. En raison du congrès, en fait en juin 2024, et de ses enquêtes sur les prétendus programmes du AP du gouvernement américain. En juin, The Debrief a été le premier à faire, à faire rapport sur une plainte déposée auprès de l'inspecteur général, donc de la communauté du renseignement, alléguant l'existence d'un programme secret de récupération, donc d'accidents euh, impliqués dans l'acquisition la, de véhicules soupçonnés d'origine non humaine, avait été illégalement refusé au Congrès. Les allégations ont été faites par David Grosh, donc ça on l'avait vu, le 26 juillet, Grosh, un ancien, donc. Euh, Agent du renseignement, un pilote de chasse, David Fraver et bien sûr Ryan Graves ont été, ont, ont, avaient témoigné sous serment. Grosch avait déclaré au congrès, donc pendant euh, l'audience, qu'il avait parlé avec près de 40 euh, membres de la communauté du renseignement américain qui seraient au courant d'un programme très secret euh, sur les ovnis. Donc, euh, bien qu'il ait refusé de fournir d'autres détails donc, euh, par, dans, dans, dans cette audience. En tant euh, qu'équipe étonnamment talentueuse, dévouée et très motivée, directeur de la roue, je ne peux pas laisser passer cette audition. Bon, voilà, ça c'était la réaction du docteur Kirkpatrick. Euh, donc au sein, on l'avait vu. Euh, donc, euh, Laro soutient qu'il n'y a aucune preuve pour l'instant que les observations du AP représentent des preuves technologiques extraterrestres, bien qu'elles admettent que certains de ces objets observés par le personnel des États-Unis semblent présenter des capacités avancées qui justifient une enquête plus approfondie. Donc voilà, Alors, ça c'était en fait, l'article était en fait en deux parties, si vous voulez. Il y avait en fait la première partie, mais après, il y avait, ils avaient rajouté en fait la, la, la partie qu'ils avaient déjà traitée hein, pour The euh, débrief donc voilà, en fait, concernant euh, le fameux mécanisme de déclaration sécurisée pour les États-Unis, qui, qui euh, en fin de compte, euh, dans le détail, c'est très important de le souligner, euh, n'est pas si clair que ça et est réservé à une certaine catégorie de personnes. Ça, par contre, c'est quand même assez étrange. Euh, donc, euh, euh, il faudra euh, surveiller cette presse. Je pense que ça sera surveillé de près parce que c'est quand même assez étrange. Que, que, que ça soit réservé à une certaine partie de personnes euh, bien spécifiques qui, qui ont déjà connaissance si vous voulez des programmes euh, donc liés au, au phénomène euh, à la recherche du phénomène OVNI aux états unis donc c'est quand même, un, quand même un, un peu étrange alors que il euh, y a encore une part un peu de schizophrénie chez Kirkpatrick c'est qu'il dit en fait dans sa déclaration que tout le monde peut, enfin tous tout, tout, tout les, les, les pilotes tous les militaires ou civils qui ont travaillé avec le gouvernement peuvent témoigner alors que dans le détail il y a des mentions qui notent bien certaines choses donc ça euh, par contre c'est quand même assez soulevé en détail par The Debrief voilà donc euh, pour le pour ce mécanisme donc de déclaration sécurisée donc, qui fait partie de la phase 2 de la ARO. donc on va aller euh, tout de suite donc euh, voilà au département de la défense donc euh, nous y sommes alors c'est la transcription en fait euh, de euh, de la réunion qui a eu lieu alors la la, 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 la retranscription non vidéo hein. euh, je, je m'entends bien là dessus c'est à dire qu'il n'y a, a pas de vidéo c'était en fait audio mais par contre c'est c'était euh, retranscrit, si vous voulez, sous forme de texte, hein, sur le site donc du département de la défense, euh, comme vous le voyez là tout de suite. Donc euh, alors, on euh, ne va pas lire en fait, si vous voulez, on va pas lire. Euh tout ce qu'ils ont dit. Euh, on a, j'ai fait en fait des points, en fait des, des j'ai réuni les différents points qui étaient plus importants en fait au sein de la réunion. Néanmoins, euh, on va lire quand même certaines choses. C'est quand même assez important. Donc, euh, on va regarder ça tout de suite. Donc, le directeur de la RO, le Dr Shanker Kirkpatrick a tenu donc une table ronde euh, hors caméra le 31 octobre 2023. Donc, il y avait le Dr Shanker. Kirkpatrick de la Haro et une certaine Suzanne Goog, euh, porte-parole euh, de communication. Euh, donc euh, au sein du Pentagone, donc euh, Madame Suzanne Goug, spécialiste en psyop bien sûr, donc Suzanne Goug, euh, bon très bien, euh, très très bien, bon après-midi, je suis Suzanne Goug, pour ceux qui ne connaissent pas de l'opération de Price, oui opération psyops aussi, de la défense, donc merci d'être venu aujourd'hui euh, pour parler de Haro, de son site web, du lancement du nouveau mécanisme, alors faut savoir quand même que la Haro est rattachée au DOD, on, on est d'accord, c'est en fait une structure qui fait partie du Pentagone, elle n'est pas indépendante et il faut savoir qu'elle est quand même sur la supervision de Susan Goog et pas obligatoirement euh, Kathleen Hikes. Euh, et la responsable de Kurchom Patrick, mais la dernière qui donne en fait son aval, c'est bien Susan Goog au sein de la Haro. C'est bien elle, hein. euh, c'est elle qui couvre en fait l'ensemble des données qui arrivent sur la Haro. En fait, ça passe toujours, toujours par, par cette dame. Donc, euh, ça, il, ça, il faut le savoir. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais enfin, en fin de compte, c'est bien la responsable de communication du Pentagone qui se charge de ça. Donc, pour ceux qui sont euh, connectés par téléphone, assurez-vous hein, d'éteindre le téléphone. Donc, voilà, alors on va commencer un petit peu. Alors, directeur de la l'ARO, Dr. Schwenker-Patrick, merci. Apparemment, nous avons un peu d'humour au sein de notre groupe. Ouais, 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 bon, euh, voilà. Aujourd'hui, conformément à la section euh, 1673 de la loi sur l'autorisation de la défense nationale, pour l'année fiscale 2023, la ARO a lancé donc la deuxième phase, cette phase de mécanisme de signalement destiné aux employés actuels, aux anciens gouvernements américains, aux militaires, aux contractuels, ayant une connaissance directe, il le dit très bien, hein, il le dit très bien, comme le dit The Debrief, mais comme avait oublié de le dire le site par exemple Politico. Donc, destiné aux employés actuels, il y a une connaissance directe des programmes d'activité allégués euh, du gouvernement américain liés aux ovnis remontant à 1945 afin de contacter la Haro et de soumettre volontairement un rapport. Ces rapports serviront à informer le rapport historique, congressionnellement dirigé par la Haro et les enquêtes sur les programmes allégués du gouvernement américain liés aux ovnis qui doivent être re remis au Congrès en juin 2024. Alors, le Congrès, euh, de toute façon, il attend, hein, il attend son rapport. Donc, le formulaire sur le site web est destiné, euh, comme en premier point du contact de la Haro, il n'est pas destiné. Destiné à transmettre des informations potentiellement sensibles ou classifiées, y compris la détermination de leur éligibilité, puis recueillera des informations de contact, des données sur leur affiliation au gouvernement américain et quelques informations de base sur le programme ou l'activité liée aux OVNI, dont euh, ils ont connaissance directe. Le personnel de HARO cataloguera ensuite, examinera les soumissions et contactera les individus au besoin. À Toutes les informations partagées euh, seront protégées en tant que personnel, euh, personnel et confidentielles ça c'est normal, et ne seront pas partagées, euh, partagées qu'avec le personnel de la RO dans le but euh, de contacter les, les individus pour des entretiens. Je tiens à souligner que ce formulaire de contact est destiné aux employés actuels ou anciens du gouvernement américain pour informer, de, euh, informer la RO qui qu'ils détiennent des informations sur des programmes ou des activités alléguées du gouvernement américain liés aux ovnis. Alors ça, c'est en direction de David Granch. Hein. <laughs> en fin de compte, nous comprenons que des membres du public ont également intéressé à signaler, euh, sont intéressés à signaler des observations d'OVNI À la nous explorons des méthodes pour que le public puisse le faire dans la troisième phase. Donc, en, en troisième phase, c'est plutôt euh, en fait vers le public, c'est-à-dire. Un rapport hein, qu'on qu peut en fait rédiger en tant que, que euh, citoyen, voilà euh, citoyen euh, témoin d'une observation euh, aérienne non conventionnelle. Et donc euh, à venir des mécanismes de signalement sécurisé, mais euh, je n'ai rien annoncé à ce sujet aujourd'hui, donc c'est pas encore fait. Je tiens également à noter que le mécanisme de signalement sécurisé est désormais opérationnel sur le site ARO ne remplace pas les procédures de signalement standard euh, établies dans les messages administratifs. Adressé aux services et aux commandements combattants concernant la manière de signaler les observations actuelles de l'OVNI aux opérations, le personnel du DOD qui observe un OVNI devrait utiliser les procédures de signalement décrites dans le message de l'état-major interarmé. Ce mécanisme ne modifie pas non plus les directives de signalement de... Euh, de la FAA pour les observations actuelles de pilotes civils. Ça faut bien le noter. Nous encourageons les pilotes civils à signaler correctement les observations d'OVNI à leur tour, au contrôle aérien de, euh, à la tour de contrôle aérien, l'ARO reçoit les rapports de pilotes et aux OVNI normalement, euh, de la FA. J'aimerais également profiter de cette occasion pour encourager vivement tous les employés actuels ou anciens gouvernements donc, ou, ou les contractuels qui estiment avoir une connaissance directe d'un programme ou d'une activité liée aux ovnis du gouvernement américain à utiliser ce nouveau mécanisme de signalement. De plus toutes les informations que vous fournirez lors d'un entre entretien ultérieur seront protégées en fonction de leur classification. En vertu de la loi, laRO la peut recevoir toutes les informations liées aux ovnis, y compris toutes les informations classifiées de sécurité nationale sans direction de David Roche, hein, j'ai l'impression, impliquant les renseignements militaires ou les activités liées aux renseignements à tous les niveaux de classification indépendamment de tout contrôle d'accès restrictif, de tout programme d'accès spécial ou de tout programme d'accès compartimenté. De plus, il n'y a aucune restriction à ce que la RAO reçoive des informations liées aux OVNI passées ou actuelles, tiens, tiens, quelle que soit l'affiliation organisationnelle de l'autorité de classification d'origine au sein du département, ah bon de la comité de renseignement ou de tout autre département ou agence du gouvernement américain. Donc en fait les gens de la NSA, de la CIA, euh, du FBI, euh, de la DIA peuvent témoigner. Et avec cela, je serai heureux de répondre à vos questions. Donc pas la même Goog, merci sou et merci d'avoir fait cela. J'espère que c'est le premier, le premier long série. Tout d'abord j'ai deux questions, mais je veux faire suite à quelque chose que vous venez de dire. Avant la sortie de ce nouveau mécanisme aujourd'hui, euh, AARO avait cette directive que vous avez mentionnée provenant du euh, Yenadmin euh, Yen pour les opérateurs militaires. Euh, Pouvez-vous distinguer un peu plus clairement entre ces deux offres de signalement Comme les initiés militaires devraient spécifiquement signaler les observations actuelles et passées à l'avenir. Ce mécanisme aujourd'hui concerne les actuels, les anciens euh, et les anciens contractuels du DOD, les initiés militaires. Comme les initiés actuels, devraient-ils faire la distinction entre les deux, si cela a du sens Oui, bien sûr, c'est un point important. Je voudrais prendre un moment pour expliquer très attentivement Ce mécanisme de signalement qui se trouve sur le site web concerne les personnes qui pensent avoir une connaissance directe des problèmes clandestins que le gouvernement a cachés. C'est un peu délire quand même ce, de, de, de lire ça. <laughs> Je ne sais pas. Il y, y a un truc quand même moi qui, qui, qui m'étonne. Dans ces dires, si on décrypte, si, si on fait, vraiment fait le décryptage, ils sont euh, l'ARO est, est, est un service euh, au sein du DOD, au sein du Pentagone, le supervisé par Katyn Aix et euh, euh, la, celle qui est à la tête, c'est Madame Susan Goog, euh, donc euh, qui est porte-parole du Pentagone, euh, hein, qui, qui est chargée en fait de communication, presse, etc. <laughs> Ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ne savent, ils savent pas, ils, ils se demandent, si, ils, ils demandent en fait concernant des personnes qui pensent avoir connaissance directe des programmes clandestins du gouvernement euh, à cacher. J'ai l'impression qu'ils qu essaient de coincer David Grosch, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais euh, ils lancent en fait des, des, des messages en disant Bah oui, mais si vous avez des choses à cacher, euh, si, si vous pensez que le gouvernement a caché des choses, dites-le nous. Alors c'est quand même euh, étonnant que eux ils ne soient pas au courant. Alors que c'est Pentagone. Je suis, très, je suis étonné, en fait. Je suis étonné qu'eux que demandent, en fait. C'est un peu, si vous voulez, dans la traduction, c'est un peu pour décrédibiliser, si vous voulez. C'est enlever du crédit à ce qu'a dit David Grosch, enlever du crédit à ceux qui disent qu'il y a des programmes secrets. Euh, dont, dont on n'est pas au courant. Là, ils sont en train de dire qu'eux, oui, ils ne sont pas au courant en fin de compte. Il s'agit vraiment du rappeur historique, n'est-ce pas La partie de la mission de l'Aaron que le Congrès nous a demandé de remplir dans cette revue remonte à 1945 et cela inclut l'interview de tous les lanceurs d'alerte et de toutes les personnes qui souhaitent se manifester et présenter leur casse et de leur témoignage pour leur compte. Donc, le signalement opérationnel est différent. Il s'agit de pilotes. Qui voit, euh, et qui voit quelque chose dans l'arresté aérien et qui ont besoin de signaler. Cela passe par les canaux opérationnels et c'est ce que prévoit la directive euh, GENADMIN. Admin. Ce pilote doit le signaler à la fois par l'intermédiaire du service auquel il est rattaché et du commandement combattant sous lequel il opère. Que ce soit dans le cadre du Nordcom, du SunCob ou euh, d'Endopacom. Les instructions figurent dans les directives GN Admin. Donc, ça, c'est pour, pour le personnel en particulier militaire. Donc voilà, euh, voilà, en fait, ce qui s'est passé. Enfin, on va voir si on, on va faire, on va faire juste une. une euh, J'ai fait la traduction complète, hein, donc euh, de, de euh, cette réunion, et puis je la mettrai sur le Discord. Je mettrai ça sous Discord sous un format euh, PDF, et puis vous pourrez lire en fait cette euh, cette réunion. Et il y a des choses quand même étonnantes, euh, des choses étonnantes. Euh, il y, y a des choses qui soulèvent quand même pas mal de questions. Hein. Euh, personnellement, sur, euh, sur ce qu'ils ont dit, c'est quand même... Euh, moi, ça m'a ça, ça épaté, <coughs> des fois. Et si on revient, euh, je vais revenir un peu sur quelques déclarations. On va regarder tout de suite. Euh, euh, alors, on va regarder tout de suite. Je vais voir... Euh, alors, il, il dit alors un moment, il le dit ainsi hein, que ses un de combattement chinois, russes. Et, euh, alors, alors c'est Howard Latman euh, qui pose des questions. Merci beaucoup. Deux questions. Tout d'abord, la Haro a-t-elle euh, accès aux produits d'imagerie orbitale du gouvernement américain et aux satellites d'alerte précoce et Là, là c'était la partie que je voulais évoquer, en fait. Hein. Et le cas échéant, combien d'entre eux ont capturé de pans euh, ça, c'est la bonne question. Et l'autre question est la suivante. Pourquoi le ministère de la Défense publie-t-il des séquences vidéo provenant de mêmes potes d'interception avec des combattants chinois Rappelez-vous, euh, si, si vous allez sur X, euh, sur certains réseaux sociaux, euh, le euh, gouvernement, le DOD, a publié des, des vidéos d'avions euh, chinois filmés par des avions américains. Bon, et tout le monde s'est posé la question, bah, attendez, vous, vous filmez des, des avions, euh, et tout le monde leur a, leur, leur a reproché, vous filmez des avions chinois, qu'on voit très bien d'ailleurs, et puis on n'a pas de vidéo d'OVNI. C'est quand même étonnant, euh, on n'a pas de vidéo du AP, mais on n'a que des avions chinois. Alors, c'est pour ça que la question est la, question est la bonne. Euh, euh, pourquoi plus utile donc des séquences vidéo promenant euh, des mêmes potes d'interception de, avec des combattants chinois, mais pas euh, des destructions cinétiques sans précédent en Amérique du Nord Alors ça, ça concerne les destructions qu'il y a eu en fait euh, en Alaska, euh, du côté de l'Alaska. Donc, Kirkpatrick, la réponse à votre première question est oui. J'ai accès à toutes les images aériennes dont j'ai besoin. Tiens. Je n'en ai vu aucune qui ait capturé de pans, des pans. Ah bon Nous avons collecté de nombreux pans qui se sont avérés être des ballons, et cela paraît bien en ce qui concerne la publications des données. Et la publication des données de vidéos est, pri est, est priorisée en fonction du contexte géopolitique de l'époque, n'est-ce pas Ainsi, les engagements avec des combattants chinois-russes ont une priorité beaucoup plus élevée pour être soumis à l'examen du processus de déclassification, ce qui est normal. Enfin bon, ils n'ont pas eu de mal à déclasser euh, leurs vidéos euh, d'avions chinois, ils ne doivent pas être si vieilles que ça en plus. Euh, donc, euh, d'autres engagements similaires. Cependant, nous travaillons sur le processus qui existe, et nous avons déjà classifié plus, nous en avons déjà classifié plusieurs et nous sommes prêts à les mettre à jour. Alors là, on n'aura que des choses conventionnelles. Hein. Là, il ne se... faut pas se leurrer. Et nous le ferons lors de la prochaine mise à jour du site. Et nous les publierons aussi rapidement que possible dès qu'ils auront franchi le processus. Je pense qu'il est important que tout le monde comprenne que le processus de déclassification d'une vidéo dépend euh, du prioritaire de la plateforme. Ce n'est pas simplement moi qui dois aller au DOD, au grand DOD, et demander de la déclassification. Je dois aller au commandement des opérations et au service qui opérait à l'époque. Donc, ok, ça c'est normal. Quand, euh, Quelle était l'opération qu'il effectuait lorsqu'il était engagé Comment puis-je m'assurer que euh, ce que nous déclassifions ne dévoile pas seulement des sources et des méthodes, mais aussi des détails opérationnels Pourquoi cette plateforme est-elle euh, à cet endroit Qui regardait Ce sont des questions auxquelles il faut répondre, ce qui est normal. Mais c'est le commandant opérationnel qui doit y répondre, c'est-à-dire le commandant combattant dans lequel cet événement se sont produits. Et comme ils sont tous différents, le processus et le calendrier des classifications de chacun de ces événements varient, c'est vraiment plus long, et cela continuera de varier jusqu'à ce que nous trouvions un moyen de faire les choses. Madame Goug, d'autres questions euh... <laughs> En fait, il a pas vraiment répondu. D'autres questions de la, la ligne téléphonique, à Dr. Patrick, avez-vous des remarques alors il dit, je pense que la, que la chose que je voudrais vous laisser, c'est que le site web est une chose vivante. Il, il va évoluer à mesure que nous ferons davantage. Nous avons ensemble de nouveaux documents prêts à être publiés. Nous avons découvert des choses. Tiens, et que nous avons que nous avons fait déclassifier pas seulement des vidéos opérationnelles mais aussi des documents historiques que nous sommes sur le point de publier dans les prochains jours et semaines alors, hein, ça va être intéressant mais je pense qu'on va bien rire. Euh, nous avons du matériel éducatif alors ça pour apprendre hein, apprendre en fait euh, au bon peuple euh, au bon peuple crédule ce que c'est un ovni est-ce que c'est pas un ovni et puis en fait ce que c'est un ovni pareil apparemment conventionnel à mon avis ça va être ça vous savez c'est un peu euh, du matériel éducatif hein, Hein, pour vous éduquer hein, à l'observation de quelque chose. Donc, il contribuera à informer le public. Vous devriez euh, donc vous attendre à voir des choses évoluer sur cette plateforme. Euh, voilà, je dirais simplement en fonction du temps que, que prend le processus pour faire passer les choses. Donc, euh, voilà. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a, rec... qu qu a noté ah. Qu'est-ce qu'on a noté alors, lors de la conférence de presse, donc plusieurs sujets liés au phénomène aérien identifié ont été abordés. Voici donc les euh, quelques points clés de la conférence. Donc, on, nous avons eu les sources de données. Alors, euh, nous avons eu les sources de données. Alors, on va, on va regarder, on va revenir en fait sur le, le début donc, euh, du, de la réunion. Et puis, euh, je vais parler en fait moi du condensé. Hein. Euh, donc voilà, Donc il y a eu les sources de données. Une grande partie des données et des pans provient des plateformes des capteurs militaires, tels que les F-35, les F-22, les radars Aegis et, et d'autres capteurs. Ces capteurs sont étalonnés par rapport à des objets connus et les données sont utilisées pour développer des modèles de formation pour le personnel militaire. Comblement des lacunes en données. Des efforts sont déployés pour identifier et combler euh, les lacunes en matière de connaissance du domaine. L'objectif est de réduire le nombre de rapports de pans. Ah, qui s'avèrent être des objets non anormaux tels que des ballons ou des drones. Ah, vous, avez, vous avez vu un peu euh, dans, quel, euh, dans quoi ça part. Donc capteurs spécifiques. Dans le cas où il y a des lacunes opérationnelles ou de capacités de capteurs spécifiques sont déployés pour la recherche, le suivi, l'identification et de la caractérisation. Ces capteurs ont été étalonnés par rapport à des objets connus et sont utilisés pour l'analyse de modes de vie dans certaines zones aériennes. Coopération avec des commandements. ARO travaille avec divers euh, commandements, mettant l'accent sur le Nordcom, euh, euh, Indo-Pacom et SENCOM, bien que le directif soit euh, envoyé à tous les commandements. L'accent est actuellement mis sur les commandements spécifiques. Traitement de réclamation des lanceurs d'alerte. Le directeur de l'ARO a déclaré que David Grosch, un lanceur d'alerte qui s'est manifesté auprès de News Nation, n'a pas fourni d'informations à l'ARO. Ils ont prolongé des invitations, apparemment, pour qu'ils se manifestent, qui ont été déclinées, apparemment. D'après euh, Kirkpatrick, le docteur Kirkpatrick a également mentionné que la dernière fois qu'il a parlé avec M. Grosch remonte à 5 ans et que ce n'était pas sur le sujet des pans. Ah Vous avez vu Alors il y a quelqu'un qui ment, euh, juste pour l'information pour rapide euh, concernant cette réunion. Il y a John Greenwald, donc le spécialiste FOIA, qui a demandé euh, par voie FOIA les euh, fameuses convocations euh, écrites. Du docteur Kirkpatrick en direction de David Grosch, parce que David Grosch a dit que, euh, que le docteur Patrick mentait et que le docteur Kirkpatrick a dit qu'il avait envoyé forcément ce qu'on vient de lire, donc des invitations. Et donc, euh, bah on va voir si normalement il y a bien des lettres et des courriers envoyés à David Grosch. Et que David Grosch dit que ce n'est pas vrai, c'est David Grosch le menteur. Si, par contre, le docteur Kirkpatrick, euh, il, il n'arrive pas à trouver par voie de déclassification, en plus, c'est pas quelque chose de super sensible, c'est qu'une invitation, en fait, c'est une invitation à venir témoigner. Si le docteur Kirkpatrick ne donne pas de matière, si son département ne donne pas de matière, bah, c'est lui qui ment. Voilà. donc on va savoir prochainement qui ment en fait dans cette affaire parce qu'il y a bien un menteur c'est soit le docteur euh, euh, Kirk, euh, Sean Kirkpatrick soit David Grosch ah. Donc, il y, y a bien un menteur entre les deux, euh, c'est obligé. C'est pour ça que d'ailleurs John Greenwald il a, il a bien fait. Euh, il a soulevé beaucoup de questions là sur internet parce que justement il, il, il va faire la part des choses. En fait, on, on, là on va savoir en fait qui ment. Euh, donc, euh, à partir de là, ça va soit donner du crédit, soit des, des, décrédibiliser l'un et donner du crédit à l'autre. Donc euh, j'ai hâte de voir ça, c'est assez croustillant, je, je dois l'avouer, la, là, ce qu'a fait John je Greywald. Donc face future, la ARO... Euh, ah non, pour les vidéos, donc de 2004, la vidéo de Pan 2004 mettant en scène rencontre avec un F-18 Super Hornet a été discutée. Le docteur Kirkpatrick a expliqué que la compréhension des cas plus anciens est, est difficile car il y a peu de données disponibles. L'importance des nouvelles directives concernant la conservation des données a été soulignée de sorte euh, qu'il y a de nouveaux cas il y aura des données plus complètes à analyser. Ah, phase future. Laro se prépare à la troisième phase de sa mission, ça j'en parlais tout à l'heure, qui permettra au grand public de signaler des événements liés au pan. Ils étudient de manière euh, la manière de gérer le volume important de rapports attendus, ça c'est clair. Accès à l'information classifiée. L'ARO a la capacité d'accéder de manière sécurisée de gérer les informations classifiées provenant de diverses sources, notamment du département de la défense et de la communauté du renseignement. Alors, je, je alors, communauté du renseignement, je voudrais bien savoir si c'est la, la communauté entière. Hein, savoir si c'est au niveau de la NSA, si en fait ils peuvent avoir accès à des, des documents de la NSA. Là, j'ai un doute, mais... Mais bon, pourquoi pas? Euh, coordination avec des, les alliés et partenaires. Euh, bien que l'ARO soit en discussion avec certains alliés et partenaires pour partager des informations, ils n'ont pas sollicité la coopération d'adversaires à cet égard. Processus de déclassification. Le processus de déclassification que les vidéos euh, des vidéos et des données liées au pan dépend de la personne ou de l'entité propriétaire de la plateforme. Hein, donc, euh, ah ouais, bah ça, ça c'est un petit peu compliqué. Ou du lieu des événements se sont produits. Ce processus peut varier et est déterminé par le, com le, com le commandant opérationnel, c'est ce qu'il disait, euh, opérationnel du commandement combattant respectif. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, exemple, la vidéo du norad. donc euh, la vidéo, la fameuse vidéo orade qui refusait en fait de, de destruction d'un objet qui, qui pourrait être un ballon apparemment. Ils n'ont pas voulu donc euh, la rendre publique, mais par contre, euh, il faut bien noter là, euh, si on fait toute cette analyse, euh, ça dépend. Cette autorisation dépend euh, du commandant opérationnel, du commandement combattant respectif de la plateforme respective. Si par exemple il y a des vidéos, alors en, en, en fait, c est, c est, ça reste encore, en fait, en, en fait c'est encore l'armée. Qui donne son dernier mot. C'est-à-dire que si le commandant euh, décide, euh, il y a eu par exemple un fait, il y a un avion par exemple, je ne sais pas, euh, un avion, euh, bon, on a eu, on, on a le cas là, euh, on va reparler d'ailleurs de ce cas euh, je, dans les dernières news. Le fameux cas euh, qui, de, qui doit être normalement déclassifié, euh, qui avait raconté le, euh, le politique Getz, Mats Getz, euh, d'un euh, F22 qui a eu des problèmes en fait, avec ses capteurs euh, en allant vers un UAP. Donc il a eu des problèmes de capteurs, et il est rentré à la base. Donc, est-ce qu'on va avoir, euh, et, et si le commandant décide, si le commandant décide, c'est lui qui a les pleins pouvoirs. Donc, en lisant ça, s'il décide de ne pas rendre publique la vidéo, elle ne sera pas rendue publique. Parce que le... c'est bien, bien ce qui est écrit le processus de déclassification des vidéos et des données liées au PAN dépend de la personne et de l'entité propriétaire de la plateforme. Ils sont propriétaires dans leurs vidéos. Donc, ça dépend. En fait, s'il le décide ou pas. Donc, si on a des, des vidéos du AP filmées par des F-35, des F-22, des F-18, tout ce que vous voulez comme avion, euh, il se peut qu'ils aient des tas de vidéos, et ça, de toute façon, j'en suis certain. Euh, euh, S'ils décide de ne pas les rendre publics, euh, bah, la RO pourra rien faire. Ça ne dépend que euh, du commandant opérationnel, du commandement euh, de, euh, de la base respective. Voilà. Donc, euh, bah à mon avis, euh, à mon avis, ça va être compliqué parce que, en fait, euh, ils disent qu'ils veulent être. Euh, ils, ils sont toujours en train de dire qu'ils veulent, qu veulent, qu veulent être clairs, précis et puis informer le public. Mais en fin de compte, euh, si toutes les informations euh, des tous les militaires, les généraux décident de ne pas divulguer la moindre information, bah ils n'ont pas d'information. C'est bien, hein. c'est écrit noir sur blanc. Donc, évolution du site web de la HARO. Le site web de la HARO est une plateforme donc dynamique, qui évoluera au fil du temps. De nouveaux documents, y compris des documents historiques et du contenu éducatif, pour apprendre. Voilà, ils sont prêts à être publiés. Et le site web devra être euh, mis à jour euh, donc euh, dans, dans les deux mois environ. Euh, ces points clés euh, fournissent un aperçu des sujets abordés lors de la conférence de presse avec le docteur Kirkpatrick concernant les activités et les efforts de la HARO liés au PAN. Donc voilà pour euh, cette, euh, cette information. Alors euh, c'est vrai que c'était assez lourd hein, à expliquer, Et puis encore j'ai noté, j'ai pris tous les points, enfin on a pris tous les points précis euh, qu'il fallait, euh, tous les points importants, hein, le, le plus important possible. Néanmoins, on va voir la suite. Hein. On verra la suite de ça parce que euh, il va s'en passer. Euh, si il y a des, des FOIA qui sortent, ça va être euh, ça va être assez euh, assez intéressant. En plus, je note quand même une, une contradiction, c'est sur le fait qu'il y ait des événements qui se passent et qu'il est possible qu'en fait, qu'ils ne seront jamais sur la ARO parce que ça dépend d'un com euh, commandement respectif. Donc euh, en fin de compte, euh, c'est encore opaque. C'est encore opaque, c'est encore l'armée qui décide. Au final, c'est l'armée qui décide si elle euh, décide de, cla de déclassifier ou pas, de donner les vidéos ou pas. Ouais, alors là on peut quand même être pessimiste, hein, quand même, hein. faut, faut pas rêver. Je pense qu'on va avoir beaucoup de ballons. <laughs> voilà, je pense, ne hein. rêvez pas, ne rêvez pas, surtout pas, ne rêvez pas. Donc voilà pour cette, euh, cette information qui était quand même importante, hein, parce qu'il s'agit quand même d'une réunion importante. Il y a eu quand même de très bonnes questions, alors je vous, je vous mettrai bien sûr le lien euh, de, euh, de cette réunion, et puis il y a eu des, des très très bonnes questions euh, qui ont été posées concernant David Grosch, etc. Euh, C'était vraiment, euh, vraiment intéressant, il y, avait, il y avait des bonnes questions, mais euh, on a vu tout à l'heure que le Dr Kemp Kirkpatrick répondait à côté aussi, hein, de temps en temps. Donc, il y a pas mal de choses ambiguës aussi euh, concernant le docteur euh, Kirkpatrick. Voilà. Donc, euh, on va aller euh, tout de suite. Euh, bah écoutez, on, va aller, on parlait justement de, euh, de euh, l'Alaska. Voilà donc cette information donc, de Libération Time, le 31 octobre. Donc le bureau euh, du euh, Pentagone se prépare à publier plus d'informations en février, euh, des, des informations euh, de février après son dernier rapport. Alors, euh, donc, euh, c'est pas si vieux que ça. Donc, euh, ça concerne en fait ce qui s'était passé, ce qui, a, ce qui avait justement euh, relayé euh, le site Warzone, euh, donc qui est ici, que, qui justement euh, en parlait, et puis euh, nous allons faire un peu la traduction donc, du site euh, Warzone, justement ils il en parlent, et euh, il y a quand même un gros doute, hein, il y a quand même un gros doute. Donc vous allez voir, les États-Unis, le département de la défense, a déclaré l'Iber qu'il avait fourni un, un exposé complet au congrès concernant. Euh, donc, euh, quelque chose qui a été abattu en février 2023 sur l'ensemble de trois objets non identifiés. Donc, euh, commentant Liberation Time, le porte-parole du DOD, Suzanne Goog, a déclaré Nous ne disposons pas d'autres informations à partager à l'heure actuelle. Si vous vous rappelez, c'était ce qu'avait déclaré justement euh, euh, donc le site Warzone. Donc, ces affaires ont été pleinement euh, informées au Congrès et sont en cours d'élaboration ou de la publication. Toutefois, le DOD n'a pas pu confirmer si la prochaine publication d'informations engloberait des images ou des images, euh, ou des vidéos ou des images, comme l'a déclaré euh, Suzanne Goog. De plus longues informations sur ce, sur ce cas seront fournies. Fournis une fois que les informations seront communiquées pour diffusion publique. Je ne peux pas estimer quand cela sera ni si cela inclura des images, donc on ne sait pas. Le DED a informé Liberation Time que les trois objets non identifiés qui ont été abattus. Par des avions de chasse américains en février ont été présentés dans le dernier rapport donc classifié de son bureau, donc euh, la ARO, et euh, cette évolution fait suite aux récentes critiques formulées par les commentaires qui ont mis un doute sur la justification du DOD pour qu'ils aient dissimulé des images d'événements. C'est vrai, il y a eu des doutes. Et d'ailleurs Warzone... Euh elle s'est soulevée des doutes, Ross Coulthard l'avait soulevée des doutes, etc. Ces critiques sont apparues parce que le DOD a cité l'utilisation de la technologie sensible comme raison pour laquelle les vidéos n'ont pas été libérées, bien que la même technologie soit présentée dans des images récemment publiées d'une interception militaire chinoise. C'est ça qui c'est ça la contradiction. C'est ça que je veux noter comme contradiction. C'est quand même hallucinant de voir ça. C'est quand même hallucinant de, de voir, euh, euh, que la technologie pour filmer des avions chinois euh, et la même technologie pour filmer des UAP. Mais on voit pas les UAP, on voit que des, des avions chinois, on va peut-être voir des ballons. Euh, voilà et, et, Etc. C'est ça qui est quand même étonnant. Donc, euh, c'est justement le reproche hein, qui, là, qui leur avait été fait. Donc récemment publié d'une interception militaire chinoise, le journaliste. Euh, Tyler Rogoway a commenté il s'agit donc d'un sniper ciblant des séquences RR euh, sur la nacelle le même capteur qui a été utilisé dans les ballons chinois. Les objets non identifiés, qui selon le DoD est technologiquement trop sensible pour partager même des photos. Bon, euh, c'est clairement, euh, c'est clairement en fait, il euh, y, y a rien à voir comme euh, on nous l'a dit à l'époque. donc février 2023, euh, en février 2023, a commencé avec l'explosion d'un ballon de surveillance chinois. Au-dessus de la côte est, puis en succession rapide, trois petits objets inconnus ont été abattus au-dessus de l'Amérique du Nord, considérés comme une menace potentielle pour le trafic aérien. Euh, tous ont été abattus euh, au commandement de la défense aérospatiale d'Amérique du Nord, donc le NORAD, ça on l'avait vu, on l'avait déjà commenté. Donc depuis l'heure, peu de réponses ont été fournies sur les objets inconnus. Le plus intéressant de ces objets a été celui abattu au-dessus de l'Alaska. Le fameux objet au-dessus de la NASCA. Donc, le porte-parole du Pentagone, le brigadier général Ryder a déclaré aux journalistes que l'objet avait voyagé une euh, à une altitude de 42 000 pieds, environ 12 190 mètres, ce qui est à peu près la même altitude que les avions en ligne. L'objet était décrit comme gris cylindrique, gris, gris cylindrique et argenté. Euh, drôle de ballon, mais bon, pourquoi pas. Assemblé, semblé flotter et a déclaré un responsable américain la question euh, si c'était du type ballon, le fonctionnaire a dit :« Les pilotes militaires américains envoyés euh, pour examiner l'objet ont donné un compte rendu contradictoire de ce qu'ils ont vu. Ce qui est en partie la raison pour laquelle le Pentagone a pu a été très prudent en hein, décrivant. Euh, » Ce qui était l'objet, selon une source informée sur les renseignements. Les pilotes ont ensuite donné euh, des rapports différents sur ce qu'ils ont observé, selon la source. Certains pilotes ont déclaré que l'objet interférait avec leur capteur, on se, on se souvient. C'est l'interception de deux F-35 Lighting. Et euh, après euh, une autorisation de destruction par un et 22 Raptor. Donc sur les avions, mais euh, tous les pilotes n'ont pas rapporté cela. Certains pilotes ont également affirmé n'avoir vu aucune propulsion identifiable sur l'objet et ne pouvaient pas expliquer. Comme il restait dans l'air. Bon, il ne pouvait pas expliquer la manière dont il restait dans l'air, malgré l'objet euh, croisant une altitude de 40 000 pieds. Bien qu'il ait nié avoir identifié les engins appartement des renseignements non humains, le DOD ne peut pas nier les allégations selon lesquelles Arrow a coordonné la collecte et l'analyse de matériaux d'origine inconnue. Euh, par ailleurs, le Dr Jess lakamsi qui a dirigé une enquête antérieure du gouvernement américain sur les phénomènes. Euh, non identifié, a récemment affirmé que le gouvernement américain possède un, art, un artisanat d'origine inconnue et, euh, et a accès à son intérieur. Alors, ça, c'est ça, ça un peu euh, rajouter ça euh, un article quand même plus factuel, c'est un petit peu ridicule. Oh, oh, enfin, ra, en renchérir avec les déclarations de Lakatsky qui n'apporte aucune preuve, comme je l'ai déjà dit, aucune doc documentation, il n'apporte que son ex-argument d'autorité. Il n'apporte rien d'autre. Il n'apporte rien. Donc, rajouter ça à l'article, je trouve que c'est un petit peu gonflé. Parce qu'en fait, l'article est quand même plutôt bon. Il est quand même factuel. Il rapporte en fait déjà les faits qu on, qu on, que l'on avait parlé à la frontière de l'Alaska. Et puis là, on rajoute que... Euh « Docteur James Dalkaski avait dirigé un programme comme quoi il a affirmé. Bah oui, mais je vois pas le rapport avec, je vois pas le rapport avec ça en fait. Je vois pas le rapport avec euh, ce qui s'est passé à l'Alaska. Euh, il est possible, en tout cas, que effectivement ils aient, co ils étaient, ils aient coordonné la collecte d'analyse de matériaux d'origine inconnue. Mais enfin, d'origine inconnue, ça ne veut pas dire que c'est d'origine euh, non humaine. Hein. D'origine inconnue, ça peut être euh, une fois identifié, ça peut être une origine russe, chinoise euh, euh, qui, ou qui vient d'Inde ou qui vient d'un pays émergent, etc. Enfin, on ne sait pas. Donc, euh, c'est un peu, un petit peu rajouter un petit peu d'étrangeté euh, dans l'article, c'est un peu, un peu dommage. Donc justement là on va aller sur le site Warzone et, et justement traduit le site euh, le site Warzone. Alors des ballons d'ovnis trouvés par des satellites, une vidéo abattue à venir déclare le chef de l'ARO. Donc c'est la fameuse vidéo dont on a parlé. Alors euh, qu'est-ce qu'il nous dit Alors on va regarder euh, justement ce qu'il nous dit. Alors euh, donc il nous dit que euh, alors ça c'est Howard Atman. Il euh, faut savoir que world Atman avait euh, été présent. Euh, pour poser des questions, hein, justement, lors de la réunion euh, euh, donc euh, non filmée de la Haro et en compagnie de Susan Gouy. Donc, en ce qui concerne euh, sa recherche d'OVNI, le bureau du Pentagone a chargé de les trouver affirme avoir un accès complet aux produits d'imagerie orbitale et d'alerte précoce du gouvernement américain. Le problème est qu'une euh, qu grande partie de ce qui est trouvé s'avère être des ballons. De plus, une vidéo de plusieurs tirs d'objets volant identifiés au-dessus de l'Amérique du Nord, plus tôt cette année, sera diffusée. Donc on aura les vidéos. Warzone euh, a posé mardi la question su suivante à Kirkpatrick. Voilà, donc euh, l'ARO a-t-il accès à des, à des images orbitales Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Euh, donc, euh, la question d'Howard Altman euh, est d'alerte précoce du gouvernement américain. Et si oui, combien ont capturé de pans euh, Kirkpatrick a répondu J'ai accès à toutes les images aériennes, etc. Et euh, il n'a vu aucun d'entre eux euh, qui était un UAP. Bon, alors apparemment, ce qui a été détruit n'est pas un UAP. Qui hein, nous l'a dit, voilà. Donc, Aaron euh, a en fait collecté nombre de données provenant de systèmes satellitaires mais finalement rien ne suggère d'une origine surnaturelle. Nous avons collecté beaucoup d'UAP qui sont à virer être des ballons et ceci en l'air, en, en l'air, voilà. Donc, il y a une nombreuses allégations selon laquelle les systèmes de détection orbitale classifié aura détecté et photographié dans certains cas de manière très détaillée des pans sans explication immédiate. Il existe également des documents gouvernementaux qui semblent indiquer la possibilité d'une détection UAP par des systèmes orbitaux classifiés. Donc en janvier, euh, le bureau du directeur du renseignement euh, national ODNI a publié un rapport de 12 pages indiquant que la haro enquêtait sur 510 incidents et que son analyse est caractérisée et et une caractérisation initiale de 366 rapports nouvellement identifiés montrait que plus de la moitié présentait des incidents sans particularité euh, caractéristique. Donc euh, près de la moitié d'entre eux, 163, ont été caractérisés comme des ballons, des entités ressemblant à des ballons. Donc, pourtant, même les ballons et autres objets non identifiés ont causé des problèmes. Et c'est vrai, ils ont causé des problèmes. Ils ont causé, ils ont causé des, des, euh, des problèmes de capteurs. Et c'est ça qui est quand même assez étrange. Parce qu'ils euh, ont posé des problèmes. Ils sont devenus un problème majeur dès, euh, début février. Lorsqu'un ballon espion chinois a traversé une grande partie des États-Unis avant d'être abattu. Au large, donc, de la Caroline du Sud. La semaine suivante, deux chasseurs américains ont abattu trois UAP en trois jours lors d'un incident distinct au-dessus d'Alaska du territoire canadien, du Yukon et du lac Huron. Donc on en avait parlé, le fameux crash, enfin le, la fameuse destruction d'un objet gris cylindrique qui, qui, qui était difficilement récupérable parce qu'en fait il est tombé véritablement dans, dans un lieu difficile d'accès. Cependant, près de neuf mois plus tard, le Pentagone n'a encore publié aucune image. De ces événements. Pourquoi le DOD diffuse les images d'interception de chasseurs chinois, mais pas d'abattage cinétique sans pressionner euh, au-dessus de l'Amérique du Nord était notre question directe au chef de la Haro, Qui a, a un poids supplémentaire suite à la diffusion rapide d'une vidéo provenant même euh, ou très similaire, capteur d'avions militaires américains utilisés pour montrer des récentes interpellations dangereuses C'est vrai que c'était très près. Hein. On avait vu, bah, regardez, il y a, il y a là. Euh, donc euh, on voit le, le commandement indo pacifique. Filmer des allons chinois. Et la diffusion des données et des images est prioritaire en fonction de l'environnement géopolitique du moment. Ainsi, les engagements avec des combattants chinois, les combattants russes ont, ont bien une plus grande priorité pour passer les processus d'examen de déclassification que les PAN et d'autres engagements similaires. Des efforts sont en cours pour diffuser certaines images, donc a-t-il dit. Nous travaillons cependant sur des processus qui existent, donc on, on connaît les processus, ça peut être des blocages total. En fait, tout simplement de la part du commandement hein, opérationnel hein, qui en fait diffusait, enfin euh, était justement en opération. Donc, s'ils ont, interpeu, ont euh, intercepté un phénomène aérien non conventionnel, il se peut que ce commandement dise Bah non, euh, on va pas diffuser la vidéo. Pour voir. <laughs> voilà, tout simplement. Donc, Kirkpatrick n'a proposé euh, aucun calendrier précis, mais expliqué des obstacles bureaucratiques à franchir. Ça, euh, ça m'étonne pas. Je pense qu'il est important pour le monde comprenne, c'est le processus de déclassification d'une vidéo. Donc ça il l'avait dit. Le Pentagone a convoqué donc euh, conférence de presse pour présenter un nouveau mécanisme de signalement, ça on l'a vu. Euh... Donc là on fait en fait le tour si vous voulez sur cet article. Alors euh, Warzone en fait se pose la question. Invoquant des problèmes de conflit de car Patrick a refusé de fournir des détails sur des personnes à qui il a parlé ou simplement ou ce qu'ils ont dit. Il a cependant éclairé, je n'ai actuellement aucune preuve d'un programme euh, ait euh, jamais existé euh, pour faire en sorte, euh, pour faire une sorte d'ingénierie inverse, euh, d'une sorte d'UAP extraterrestre. Donc, euh, il nie, enfin il nie, il dit qu'il n'est pas au courant tout simplement euh, d'un problème d'ingénierie inverse. Il dit qu'il euh, n'a pas euh, connaissance d'une présence, euh, on va dire entre guillemets, extraterrestre. Euh, voilà, alors comme beaucoup d'autres choses sur les pans, ces questions comme celle de savoir quand nous verrons, enfin les images euh, de février restent sans réponse. Il s'agit bien sûr d'un sujet... Torturé, comme il le dit, et souvent sensationnaliste, rempli de nombreux récits con concurrents et d'affirmations non fondées. C'est vrai, c'est vrai ça. Les réponses directes de Kirkpatrick à ces questions peuvent être rejetées par certains, mais il est moins maintenant officiel en détaillant exactement où, où lui et le bureau qui dirige ce, 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 où se situe le sujet. Euh, effectivement, il y a. Il y a beaucoup d'annonces sensationnalistes, beaucoup d'annonces, euh, d'allégations sans preuves, etc. C'est vrai. Mais il faudra effectivement qu'il soit clair sur la question. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que euh, il n'est pas de toute façon certaines vidéos pour la bonne et simple raison. Comme je le disais, c'est les militaires qui décident de la diffuser ou, ou, ou non. Voilà, tout simplement. Donc, euh, c'est vrai qu'il va falloir quand même réfléchir sur la question à propos euh, de ces fameuses déclassifications, parce qu'il euh, y a peut-être des éléments qui se resteront classifiés tant que, le, que les commandements opérationnels euh, du fait ou du moment, du fait qui, où s'est passé le fait, euh, refusent en fait tout simplement de, de diffuser la vidéo. Donc, il va falloir quand même réfléchir euh, sur la question. Voilà donc pour cette partie. Donc c'était sur le traitement euh, de cette des vidéos qui viendraient donc de, des fameuses destructions de ballons. Voilà donc on verra bien. Et puis du soi-disant euh, ballon euh, au-dessus de, de l'Alaska puisqu'apparemment le docteur Kirchhoff Patrick n'a pas encore vu du AP. Très bien. Bon, bah écoutez, s'il n'en a pas encore vu, tant mieux pour lui, pourtant il y a des témoins qu'on voit. Bon, alors, on va continuer euh, bien sûr euh, une autre news, et c'est une news, alors c'est un nouvel organisme, encore un. Bah alors là, c'est pas un organisme comme Sol, c'est pas un organisme comme la CSU, c'est pas comme un organisme comme, euh, comme des, des, des organismes là qui sont nés euh, suite à la, à la proposition de divulgation, etc. C'est un organisme qui est lié euh, à, au divertissement, au cinéma, au divertissement. Vous allez voir, j'ai été un peu interloqué par rapport à ça. Euh, je me suis dit, que vient faire le divertissement là-dedans Il y en a qui se réjouissent, moi un peu moins, en fin de compte. <laughs> un petit peu moins, je, je suis un petit peu circonspect par rapport à ce... Alors, euh, diffuser de l'information au public, ok, mais si ça reste que sous la forme de divertissement, c'est divertissant. <laughs> c'est ce que je veux dire. Euh, se réjouir là-dessus, peut-être pas en fin de compte. Alors, est-ce que c'est pour préparer le public Alors, apparemment, ils veulent préparer le public parce que j'ai lu la déclaration. On va la regarder ensemble. Vous allez voir, c'est un, un nouvel organisme qui rassemble quand même beaucoup de monde. Hein. Euh, c'est quand, euh, quand même important, euh, du moins. En termes de, de ressources, hein, on va voir. Donc, euh, ça s'appelle Hollywood Disclosure Alliance. Donc, l'alliance pour la divulgation euh, d'Hollywood. Voilà. Euh, L'objectif voilà. de Hollywood Disclosure Alliance est de fournir une voix plus unifiée dans les médias. Donc, menant à la révélation imminente, ah bon, et suivant la présence de, de, de la vie extraterrestre. Donc, ça pose déjà le postulat de la vie extraterrestre. Voilà, déjà, vous allez droit dedans. Donc, la divulgation. Bah, en fin de compte, la divulgation ne veut pas dire obligatoirement vie extraterrestre. On peut très bien divulguer le, le fait qu'il y, euh, qu y ait des phénomènes aériens non conventionnels dont on ne connaît pas l'origine, mais ça ne veut pas dire que c'est extraterrestre. Donc, déjà, l'organisme pose déjà le postulat extraterrestre. On repart encore, on repart comme je vous ai. Je vous je, je vous propose d'aller voir ma dernière vidéo concernant la communication, euh, l'ufologie, la communication, etc., qui, euh, qui parle, en fait, justement, cette vidéo, et euh, euh, suite à l'écriture mon article sur The Medium, concernant euh, la fin de la croyance dans, dans l'ufologie. En fait, tout simplement, mettre fin à la croyance. Voilà, bon, on, là, on en rajoute une couche. Donc, par le biais de la narration de long métrages, donc, de documentaires et de programmes de télévision. Nous sommes une ressource centrée sur les médias qui fait, euh, qui fait équipe euh, avec ceux qui travaillent activement dans le cadre de la recherche des UAP et avec ceux qui travaillent activement en tant que compteur. Donc voilà. Alors voici la mission. On va regarder ça ensemble. Vous allez voir, moi personnellement, alors euh, après on peut se réjouir, après certains bien sûr, euh, certaines, certains peuvent se réjouir de cela. Je ne dis pas le contraire. Mais ça rentre dans le domaine du, du mainstream, si vous voulez. Ça rentre dans le domaine du divertissement, du mainstream et, et tout. Et en plus, ça rentre déjà avec un postulat d'entrée, quoi. C'est le postulat de euh, la présence d'extraterrestres ou euh, la divulgation de la présence d'extraterrestres sous forme du AP. Voilà, ou le contraire. Et donc, euh, personnellement, moi, je, me, je, ferais, je suis plutôt euh, circonspect par rapport à ça. Personnellement... Vous allez voir, depuis l'aube, l'ère du cinéma, plus de 600 longs métrages ont été produits représentant des étrangers, des scoops volantes, ça c'est clair. Ces films ont généré des dizaines de milliards de dollars, des recettes mondiales au box-office. Ces films sont basés sur des fictions, restent très populaires, bien sûr. Nous, imagine, nous imaginons le jour où ils peuvent être basés sur donc le factuel, le vrai. Donc, en réunissant des chercheurs, des auteurs, des expérimentateurs euh, du UAP et IT, euh, et hein, ils collent bien les deux, et des créateurs de contenu travaillant dans tous les aspects euh, du spectre mondial du divertissement, euh, la HDA est en mesure de devenir la lutte contre l'organisation euh, pour combler un écart de longue date créé par l'embargo sur la vérité imposé par le gouvernement. Mais. <rire> <Yeah>. <rire> Il y a des tonnes de documentaires sur les ovnis. Hein. Il, y a, il y a des tas de séries sur les ovnis. Hein. Sur des tas de séries de documentaires sur les ovnis. Des, des, des tas de séries euh, qui ont même d'ailleurs eu un impact. Genre, je le disais un impact sociologique c'est X-Files. Etc. Euh, ça va faire à peu près 15 à 20 ans qu'on a des tonnes de documentaires sur les ovnis, des, des tonnes de, 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 de documentaires américains. Nous avons euh, donc des, des saisons maintenant, des saisons carrément, même, il euh, y a plein de saisons euh, sur des documentaires sur les ovnis. Enfin, je veux je dire, ils divulguent, enfin, je veux dire, ils en parlent. Enfin, je, vois, je vois pas ce qu'ils vont apporter, apporter de plus. Euh, alors, l'un des mystères les plus convaincants de tous les temps, des objets volants identifiés ont été rapportés depuis euh, dans l'aube de la Terre datant de l'ère biblique, oui, si vous voulez, <laughs> même avant le début de, des documents écrits, des peintures rupestres, préhistoriques et pétroglyphes du monde entier, désignés des objets étranges en forme de disques, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Notre, euh, notre vision, donc les efforts de la HDA qui a été mis en place pour servir, pour servir de connecteur de contenu. Donc diffuseurs, hein, euh, contribueront à euh, autonomiser le grand public euh, à la précision et à la narration. Ah bon ouais, Ce sera pas très précis si vous mélangez l'ensemble. Hein. Euh, notre groupe fournira euh, aux créateurs de contenu des faits, des connaissances longtemps refusées concernant la présence de vie extraterrestres, de sorte que des histoires pertinentes peuvent être racontées au travers. De toutes les formes de médias. La HDA est prête à agir euh, à agir bien avant la divulgation imminente et mondiale par les dirigeants des États-Unis, gouvernement militaire. Ah bon Parce qu'ils pensent pense qu'il va y avoir une, une divulgation imminente et mondiale par les dirigeants des États-Unis, gouvernement et militaire. Et s'il n'y a pas de divulgation, ils font comment Ils vont faire comment C'est complètement idiot de dire ça, pas d'écrire ça. S'il ne se passe rien en 2024 ou en 2025, mais ils vont faire comment Ils vont faire comment ils vont... ils vont avoir l'air bêtes. Hein, Enfin, là, là, ça annonce véritablement, c'est presque prophétique, si vous voulez, la manière dont, dont ils annoncent la chose, c'est presque prophétique. Donc la divulgation se, rapporte, se, se rapproche chaque jour de la réalité. Euh, non, j'ai l'impression qu'elle s'éloigne. Donc euh, Hollywood dit, euh, Disclosure Alliance, qui deviendra bientôt une, organisa une organisation à but non lucratif, Et la première organisation à fonder un échantillon varié de créateurs de contenu et d'influenceurs de l'industrie du divertissement. Avec des chercheurs de longue date de l'UAP, ces chercheurs ont longtemps été ridiculisés. Bon, plus maintenant, il euh, y a tellement de documentaires. Alors qu'ils travaillent pendant des, ils travaillent des, des années, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été ridiculisés. Des grands chercheurs ont été ridiculisés. En France, on a eu nos grands chercheurs qui ont été ridiculisés. Les grands spécialistes, etc. Des, des ufologues de renom ont été ridiculisés, ça c'est vrai, c'est absolument vrai, on en a beaucoup parlé d'ailleurs dans les vidéos, euh, etc. Euh, aux États-Unis, c'est exactement la même chose, mais bon, aujourd'hui, euh, depuis quand même des récents événements, depuis en plus, depuis 2017, il y a quand même du crédit, quand même plus, plus de crédit, c'est-à-dire qu'on écoute un peu plus les ufologues, on écoute un petit peu plus quand même les chercheurs, etc. Donc en plus, il y a des organisations avec des, des scientifiques qui se créent, euh, qu'on le, le voit avec le sol, la CSU euh, qui grandit, etc. Enfin, on voit des, plein d'organisations partout là qui, qui, qui naissent, euh, donc celle-ci, donc euh, oui. <laughs> euh, Ces chercheurs ont en donc ridiculisé, euh, alors qu'ils travaillaient pendant des années, voire des décennies, en dépit des démentis répétés des États-Unis, ça c'est vrai, donc il n'y a, a pas de souci là-dessus donc, euh, probablement plus de 64 des américains croient à l'existence des ovnis, même si les médias se moquent des gens qui, qui le font les gouvernements nient toute connaissance. il n'y fait aucun doute que les films, les documentaires, les émissions de télévision sur le thème des extraterrestres ont toujours été parmi les plus populaires. c'est vrai, c'est vrai. et les plus réussis financièrement. Hein, financièrement? il parle de finance. <rire> donc, <rire> si on produit ça aura du succès. donc, si ça a du succès, ça va apporter de l'argent. mais dans quel but? Donc la HDA est un mouvement alimenté par des véritables alliances entre les producteurs de l'industrie du divertissement et des chercheurs de renommée, donc du AP euh, Donc l'échange de, de ces informations se fait par le biais de réunions, des discussions régulières en personne, ainsi que par le biais de réunions numériques pour ces membres qui sont situés dans le sud de la Caroline, de la Californie, excusez-moi, à travers les États-Unis et dans le monde entier. Ok. Moi je pouvais les aider à mieux communiquer s'ils veulent. Il n'y a pas de souci, hein. je peux leur apporter un petit peu la manière dont il faut communiquer parce que là c'est mal parti. Donc la HDA serait un centre, un lien précieux entre le monde des médias et la communauté et la recherche des UAP au service des, des créateurs de contenu qui mettra en avant la révélation ou la plus historique pour la création d'une programmation originale qui présentera des informations sur la présence d'extraterrestres sur Terre. On est dedans, hein. ouais, on est dedans. Vous allez me dire, c'est pas sensationnel. <laughs> non, non, du tout. Euh, donc, la HDA espère contribuer à, à faciliter la véritable, le véritable changement en inspirant et en éduquant des millions de personnes. Ils vont faire quoi une église Des millions de personnes à travers le monde pour qu'elles fassent connaître leurs sentiments à ce sujet sans précédent. Mais non, mais le sentiment, vous l'avez déjà, puisque vous l'apportez, donc il n'y a même pas besoin d'entendre les gens, puisque vous avez déjà la réponse. Donc la ridicule euh, ne fait pas partie des... Alors ici, John anne mais John anne avait revu sa copie concernant la présence extraterrestre, même s'il y pensait, vers la fin de sa vie, quand même, ça a été différent. Le ridicule ne fait pas partie de la méthode scientifique, et il ne faut pas enseigner au public... Euh, et il ne, il ne faut pas enseigner au public que c'est le cas. Donc c'est vrai, euh, le ridicule, il ne faut pas l'enseigner au public. Donc en assemblant des, deux entités auparavant incongrues, l'industrie du divertissement et la communauté des chercheurs UAP, la HDA fournira des solutions révolutionnaires en aidant à fournir une narration, de, une narration euh, factuellement exacte avec des projets, avec des factuellement Moi bon, hâte de voir ça. Des projets multimédia qui seront bientôt disponibles pour le grand public. Qu'ils agissent le long, de longs métrages, de documentaires, de programmes télévisés, de programmes spéciaux, de podcasts au PSA, en passant par des campagnes sur les médias sociaux, des réunions en personne, des conférences, des séminaires au sommet et aux conventions à grande échelle. La HDA euh, se consacre à soutenir un message positif et galvanisant, en même temps que la révélation de l'existence de la vie extraterrestre, de la divulgation présentera un tout nouvel univers d'opportunités médiatiques. Donc, est-ce que ça va faire pression Est-ce qu'ils est qu pensent que. Alors, est-ce que la stratégie, ce n'est pas que l'industrie du divertissement, donc le cinéma, les plateformes de diffusion, on l'a vu avec Netflix récemment avec un compteur, là on voit juste, juste d'ailleurs pour illustrer, on, on a vu l'affiche la et tout, etc. tout à l'heure. Est-ce que euh, ce n'est pas pour faire pression que l'industrie du cinéma, de, des séries, des plateformes, ne fasse pas pression en fait sur le gouvernement pour euh, faire de la divulgation et bien sûr donner euh, donc de la matière, euh, si vous voulez, euh, au public. Est-ce que c'est est pas ça mais, mais disons que la manière de faire, c'est qu'ils pensent, ils sont déjà dans le postulat, si vous voulez, ils sont dans, déjà dans le postulat vérité. Moi, ça me dérange d'être dans le postulat vérité parce que... Euh, en fin de compte, c'est pas parce que euh, vous faites 50 documentaires et vous faites 50 séries de documentaires avec euh, 4 saisons que ça apporte une vérité quelconque. Il y, y a des séries, vous savez, qu'on a oubliées. Hein, Il y, y, y a des documentaires ovnis qu'on a oubliés hein, et qui, qui nous ont pas marqués du tout. Hein, et puis qui n'ont rien apporté de plus, en fin de compte. Donc souvent, d'ailleurs, ils se ressemblent. Euh, donc voilà. Donc... Euh, donc euh, donc, l'existence extraterrestre à dévocation présentera un tout nouvel univers d'opportunités médiatiques. Servant une ressource pour l'industrie mondiale du divertissement, la HDA fournira des informations valides et travaillera en collaboration avec des écrivains, des producteurs, des réalisateurs, des studios, des cinéastes euh, indépendants et des sociétés de production, grandes et petites, afin d'encourager l'inclusion du message extraterrestre. Alors, c'est quand même étonnant de lire ça. Un message extraterrestre au public. L'impression qu'on est dû que. Vous savez que. <laughs> On a l'impression que c'est carrément une entité qui va éduquer les gens euh, euh, à cela. C'est étonnant comme message à dire, si vous traduisez en fin de compte. Euh, factuel dans des milliers d'émissions de, de, de télévision, de films et documentaires futurs. Ah carrément, ils vont assez loin quand même. J'ai été informé euh, donc au cours de mes fonctions. Donc et là, il parle de David Grosch, La HDA sera un lien viable entre le monde des médias et la communauté des recherche UAP pour mettre en avant la question la plus remarquable de la planète une présence extraterrestre sur Terre. La HDA contribuera à faciliter la vérité, le véritable changement en inspirant la prochaine génération de réalisateurs au film et au contenu numérique et d'informer le monde sur ce qui vient, sur ce que sur ce que sur ce qui deviendra, excusez-moi, bientôt l'événement le plus grand sans précédent de l'histoire de l'humanité. J'espère personnellement qu'il va se passer quelque chose. J'espère pour vous qu'il va se passer quelque chose. Parce que s'il se passe rien, on va plus entendre parler de vous au bout de trois semaines. Je, je, vous, le dis, je vous le dis comme ça. Euh, je vous préviens même je préviens même ceux qui regardent, s'il se passe rien, imaginez le message qu'ils viennent de lancer, puis s'il n'y a rien ou si rien, rien qui est divulgué, ou, ou si euh, on a même la preuve par A plus B que le, les phénomènes aériens non conventionnels ne sont peut-être pas ça, eux, dans leur terminologie à eux, une présence extraterrestre, un mais c'est peut-être autre chose, ils seront au mal aussi, quoi. Ils, seront, en fait, ils, perd, ils, vont per, ils vont perdre un crédit qui risque d'être assez euh, violent, en fin de compte. Ouais, <laughs> je, je suis assez... Euh, je souris, sourire, mais... En lisant ça, c'est vraiment, vraiment étonnant. Euh, donc, euh, on va regarder euh, tout de suite donc euh, qui fait partie de ce, qui participe en fait à ça et, et, et on, on va regarder ça tout de suite. Alors, euh, alors, le conseil d'administration pour cette organisation. Donc, il y a euh, donc Serena De Cor Marond, ciné cinéaste, productrice, réalisateur, animatrice de Talk Show et actrice nominée aux Emmy Awards. Il y a, euh, il y a Dan Ahari, fondateur de, de l'Absorbie Agency et auteur de After the Game. Et il y a Adjulie Ahari, euh, alors je que c'est la même famille, je pense, fondatrice et directrice relative de Drum Media. Euh, il y a un scénariste, producteur, réalisateur, euh, producteur de télé de Niptuck. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la série Niptuck, ça est très connu, euh, Loi, euh, Loi et l'ordre et la série télévisée du projet Blue Book, c'est euh, Sean Jablonski. Donc là, ça commence à être un peu plus lourd. Il y a James Stein, réalisateur-producteur de vidéoclips, euh, qui a, par exemple, euh, fait des clips de, de Bruce Springsteen, The Cards, euh, les Boos, etc. Il y a Sean West, agent de pers personnalité dans le milieu OVNI. Euh, Sean Qu West a donc euh, différentes euh, personnalités, comme euh, Nick Pop, euh, Travis Walton, euh, etc., il y a pour le groupe Ovni, donc euh, on a euh, le directeur euh, section MUFON de, Cali de, de Californie du Sud, qui est Earl Gray Anderson. Il y a Stephen Bassett, qu'on qu connaît. Hein. Euh, bien sûr, Steven Bassett, euh, chercheur bien connu, donc directeur du groupe, bien sûr, de recherche Paradigme, Judy Shedderdon, chercheuse défenseuse du Levé du Secret, il y a le Paul Hainek, donc euh, euh, Paul Hainek, euh, qui est, bien sûr, le, le fils du conseiller, euh, donc bien sûr, euh, du projet Blue Book, Jonathan il y a Ron Janix, euh, donc animateur de Contact to The Desert. Dan Daniel Shishan, Ch défenseur de la levée du secret. Activiste politique, avocat. Les membres fondateurs, donc, sont euh, un publiciste. Et expert en visibilité. Il y a un cinéaste euh, nominé au, au, aux Emmy Awards qui s'appelle Greg Combaosso. Euh, il y a un avocat, un producteur TV, un cinéaste, expérimentatrice. Il y a une actrice, Camille euh, James Arman, connais pas, Thomas Jens, acteur-producteur. Euh, producteur en même temps de The, euh, Deep Blue Seed, The Expense, euh, Christina Kreska, euh, Kreska euh, scénariste, auteur, euh, etc. Il y a Shona euh, Krikerian qui est directrice d'industrie musicale, donc ça c'est Media Horse. Il y a Kevin euh, Kevin Kerchaver, qui est un artiste VFX, euh, David O'Leary euh, qui est connu, hein, producteur de cinéma télévision. Daniel Ramirez, actrice-productrice, il y a Jack Roth, Jack Ross, Jamie Serra, producteur-gestionnaire d'investissement, producteur-réalisateur-scénariste aussi, il y a John Simple, producteur-gestionnaire euh, d'investissement, opérateur commercial, il y a Roche, watchman-réalisateur ciné de cinéma-télévision, auteur-compositeur, Lou Wagner, productrice indépendante primée pour les films documentaires. Il y a Divalas Wallace, Wallace qui est actrice euh, qui, a, qui a joué dans E.T. L'Extraterrestre, pourquoi pas. Euh, Darcy Ware, réalisateur documentaire. Écrivain pour la télévision, il y a Alec Wells. Et il y a euh, Kim Kalsberg euh, qui est conférencière aux États-Unis, euh, donc ufologue. Euh, il y a aussi un ufologue euh, qui est ufologue amateur. Il y a Thomas donc Danizer, producteur principal du, du fameux euh, National Radio Show. Coast to Coast, qui est vraiment euh, une grosse, grosse, euh, la plus grosse émission. Hein, euh, donc, euh, le show Coast to Coast. Richard Dolan, qu'on connaît très, très bien dans le domaine de l'ufologie, donc, euh, qui est chercheur, qui est auteur. Il euh, y a un chercheur enseignant, euh, un chercheur et enseignant, c'est Tracé Garbou, je connais pas. Directeur de relations et médias du Mufon aussi, Ron James. Donc il y a quand même du monde du Mufon, hein. euh, d'après ce qu'on voit. Il y a un, un propriétaire de réseau de diffusion numérique et une experte en folklore agrégé. Euh, ça c'est intéressant. Euh, c'est Heather Joseph Wittem. Il y a fondatrice de Phoenix Lake Works et de, de, de Dr. Line. Il y a une ufologue. Euh, enquêtrice, Chase clotzke, euh, expert en chercheur en ufologie, Jim Ledwight, Sergio, Sergio Loeb, chercheur activiste, entrepreneur, Kathleen Marden, autrice à succès, fondate, euh, fondateur et directrice, Mufon, expérienceur au team, donc encore le Mufon, euh, il y a Jason Martel qui est contributeur à Ancien Alien, mm -hmm. Michel Mazzola, cinéaste primé, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore euh... bon il y a du beau monde hein, quand même hein. Kate Page, directeur du muffin de l'état du Colorado Nick Pop, ah bah on voit Nick Pop forcément, donc ministère britannique à la retraite bien sûr et puis Ufologue hein, qu'on voit partout, donc euh, expert en chercheur en ufologie Paul Stone expérimentateur, euh, créateur euh, James, James von Loves, Shuk Sokoski, enquêteur de terrain paranormal donc voilà, on a tout ce monde euh, tout ce monde, c'est un monde Monde qui est lié en fait à l'ufologie, et puis c'est un monde lié au domaine du divertissement, hein, du cinéma, euh, des séries, des plateformes. Il n'y a, a pas de personnes appartenant, euh, je regarde parce qu'il n'y a pas de personnes appartenant par exemple aux plateformes de type Amazon, Netflix, Paramount Channel, etc. Euh, alors il y, a, il, y a, il y a des gens qui ont travaillé hein, pour les séries qui sont diffusées actuellement sur des plateformes. Euh, comme euh, un, un cinéaste euh, comme bah, Serena hein, qui a fait, euh, qui vient de faire ses débuts sur Amazon, donc euh, We Are war Not Alone, donc c'est une série sur Amazon, donc. Mais il n'y a pas des gens hein, liés aux plateformes même, hein, directement, hein, qui travaillent au sein des plateformes. Néanmoins, euh, il s'agit quand même d'un beau panel, euh, c'est vrai. Alors il y a des chercheurs, par contre, je ne connais pas américains, pas mal de chercheurs américains que je ne connais pas. Euh, Chercheuses aussi que je ne connais pas du tout, euh, liées aux États-Unis. Euh, donc voilà, il n'y a, a pas de politique. Hein, c'est vraiment uniquement que du divertissement ou des gens qui sont, qui font de la recherche. Il y a aussi une partie du MUFON, donc aux États-Unis, euh, qui ont donné leur accord. Euh, alors, accord, donc voilà pour cette, euh, ce Hollywood Disclosure Alliance. Alors, personnellement, euh, le postulat me, me laisse vraiment euh, inter interrogateur. Enfin, je je, je m'interroge sur le postulat direct. Ils pensent qu'ils vont apporter la vérité, ils pensent que la vérité va arriver, ils pensent qu'il va y avoir la divulgation, et ils veulent découvrir, euh, ils veulent dire aux gens qu'il y a une présence pratiquement extraterrestre sur Terre. Enfin, je veux dire, ça va un peu loin. Personnellement, je, je pense que ça va être une société de divertissement point barre. et puis ça va être que ça quoi. Ça ça sera pas ça sera pas autre chose. Si vous voulez ça ça sera pas autre chose qu'une société de divertissement qui va parler de l'UFOlogie, euh, enfin des ovnis mais à leur manière. Alors à mon avis, ça va être traité quand même des fois sous la manière sensationnelle. Hein, parce que vu déjà le postulat de départ, j'ai le droit d'avoir un doute. Hein, j'ai le droit d'avoir quand même un doute permettez moi hein, d'avoir un doute donc voilà pour euh, pour cette news où on va passer à la toute dernière news euh, c'est une petite news euh, alors maintenant j'essaie de mettre en fait des des, euh, des cas des cas de d'observation de, donc il s'agit du site essex live donc un site anglais donc euh, un ONI a été rapport à, Enfin, une information a été rapportée à un ovni à moins de 20 mètres d'un avion qui a décollé de l'aéroport de Standeep parmi les rapports des ovnis, euh, donc euh, qui a fait la, la police donc Donc plusieurs personnes ont signalé que des objets volant identifiés dans le ciel étaient, euh, étaient au-dessus de l'Essex, a rapporté à la police, donc y compris les pilotes concernés. Euh, donc euh donc euh, avec des, des passagers à bord, donc lorsqu'il volait. Donc une demande de loi sur la liberté d'information adressée à la police, euh, une, une copie des observations à venir rapportées en cours de ces cinq dernières années. La demande demandait également une copie euh, du résumé de l'incident et l'origine à laquelle il était signalé. Un rapport présenté à la police de l'Essex provenait d'un pilote sur un vol de Ryanair voyageant à plus de 200 mètres, à plus de 200 mètres, à mon avis plus de 2000 mètres, ils ont dit à des officiers, ça c'est la traduction, ils ont dit à des officiers que leur avion montait depuis l'aéroport de Stonefield, alors peut-être qu'ils montait en fait à 200 mètres, lorsqu'un objet est passé à moins de 20 mètres de l'avion, c'est quand même assez énorme. C'est quand même assez inquiétant. Le résumé de l'incident de 2022 disait Ryanair sortait l'aéroport de Stansted et se situait à une hauteur de 4000 pieds et juste au-dessus du centre de saint elisabeth le pilote a vu un objet qui décrit comme noir, il est passé à moins de 20 mètres de l'avion, l'avion se déplaçait euh, à 230 euh, mph et l'objet se déplaçait euh, du nord au sud. Ils ont dit qu'il s'agissait peut-être d'un drone, mais l'équipement de surveillance des drones et des, de l'aéroport ne l'a pas détecté. Un autre rapport de 2022 a été établi ap, euh, après que trois avions ont signalé avoir vu un objet près de leur avion en même temps. Le rapport étrange se lit comme suit incident placé sous forme d'ovni car trois avions ont signalé un objet se trouvant à proximité euh, le, rapport, euh, le rapport de la tour euh, le rapport de la tour euh, des deux avions ont signalé un objet d'environ euh, à environ 500 pieds au-dessous au d'eux euh, alors qu'ils arri qu arrivaient à terre sur la piste 22 euh, la plus proche étant à 20 km approche de 2-3 miles. Lorsque leur système, donc système d'évitement de collection de trafic, les alertait de quelque chose à environ 500 pieds. Aucun pilote ne pouvait voir quoi que ce soit quand ils, quand, quand ils étaient en l'air. Donc, un autre rappeur effrayant de quelqu'un à Colchester, au début de, de cette année, a déclaré Je voudrais signaler l'observation d'un objet volant non identifié. L'objet est apparu ovale et était de couleur métallique sans marquage ou lumière apparente. Il n'y avait aucune caractéristique d'avion conventionnel. L'objet voyageait d'est en ouest, juste au sud de mon adresse, en ligne droite de l'altitude, et était à peu près 100 pieds à tout, à tout moment comme euh, une estimation. L'objet se déplaçait rapidement, à travers le ciel et en douceur, sans déviation de hauteur ou de direction, et sans aucun effet de temps, et la seule façon pour moi de le décrire. Il se déplaçait trop vite pour un oiseau et n'était certainement pas un ballon qui est généralement affecté par le, affecté par le vent, c'est vrai, qui les faisait tourner ou tomber. Ce, cela n'a pas été affecté par le soufflage léger, donc du vent. C'était une forme ovale, solide et silencieuse. Il ne s'agit, c'est pas d'un drone ou d'un modèle d'avion en raison de la façon dont il volait. J'ai vu ça de l'intérieur, de l'arrière de ma maison. Et puis cet objet n'a pas, euh, pas laissé ma vue jusqu'à ce qu'il soit trop loin. En fait, et là, sa vue a été obstruée une fois qu'il était trop loin et obscurci par une autre propriété qui était sûrement devant lui. Je n'ai aucune explication. Quant à ce que pourrait être cet objet. Alors, il y a voilà, trois témoignages. Alors, donc, ce que j'ai fait euh, par rapport à ces, ces témoignages, bah, j'ai fait une recherche au, au niveau de la police directement de, de l'Essex et j'ai trouvé ça. Donc, police de l'Essex, UFO report 2018-2023. Alors, ce n'est pas les rapports complets. Ah, euh, ce n'est pas les rapports complets, mais voici les, les observations de 2018 à 2023, rapporté par la police de l'ESSEX, et on voit ce cas, ce fameux cas, donc de 2022, le cas de, euh, de voilà, Stansted Airport, donc l'aéroport de Stanstead. Alors, je vais juste vous traduire, en fait, il n'y a pas le, le rapport complet, mais il y a, en fait, si vous voulez, le, le, juste l'effet le, rapporté euh, très court, hein. c'est vraiment très court, donc premier, le premier c'est un incident notifié par l'équipage a été enregistré en tant qu'OVNI alors que trois aéronefs ont été signalés la présence d'un objet dans leur, dans leur voisinage. Donc un trois aéronefs ont signalé donc la présence d'un objet dans leur voisinage. En deuxièmement, dans deuxième case, enfin euh, juste en dessous en fait euh, là dans la deuxième case qui se trouve ici, euh, donc on a euh, les informations provenant de la tour de contrôle indiquent que deux avions ont signalé la présence d'un objet à environ 500 pieds en dessous d'eux alors qu'ils s'apprêtaient à atterrir sur la piste 22 le plus proche étant à 20 km de distance. L'incident s'est produit lorsque les avions étaient à 2-3 miles de l'aéroport et c'est à ce moment-là que le TCAS système d'évitement de collision trafic les a alertés de la présence de quelque chose. À environ 500 pieds, aucun des pilotes n'a pu apercevoir quoi que ce soit en regardant. Voilà donc euh, pour cet incident. Euh, alors, c'est encore un incident très récent. Hein, c'est un incident très récent. Et puis, bah, en cherchant un peu, j'ai euh, pu aller sur la police de l'Essex et voir en fait le UFO Report que bah, je vous mettrai en fait en ligne le, le, UFO, le UFO Report euh, concernant euh, la police de l'Essex et ça vous permettra en fait d'avoir quelques petits cas comme ça qui sont expliqués mais alors c'est très court parce que j'ai pas, le, pas le, le rapport complet hein, c'est juste véritablement succinct mais néanmoins, les cas qui sont rapportés sont considérés comme des phénomènes aériens non conventionnels. En plus, c'est des phénomènes importants parce que euh, ça se situe euh, au point de vue des, de, de l'aviation, euh, de, euh, de pilotes civils, et puis bien sûr à l'approche euh, d'un aéroport. Donc euh, c'est pour ça que c'est quand même... Très important en termes euh, d'éléments factuels, parce que là on a quand même des observations de pilotes, on a quand même des, euh, des éléments rapportés par, par des pilotes. Voilà donc euh, pour cette, euh, cette observation euh, euh, que j'ai voulu présenter en plus pour terminer cette UAP News, puisqu'on a fait quand même une grosse partie bien sûr sur la RO, etc., sur les explications. Et puis, euh, euh, bien sûr, sur euh, la, décl la déclassification de la fameuse vidéo de l'Alaska que l'on attend. Donc, euh, je vous dis, bien sûr, à bientôt pour un prochain UAP News. Allez, ciao, bye.